souvent ce qu'on aime chez les acteurs. Les qualités d'un acteur, c'est de bien exploiter ses défauts. Vincent, il était quand même assez turbulent. Il a une relation très forte avec l'autorité, avec le pouvoir. Peut-être que c'est une envie qu'on m'écoute. Ouais. Peut-être que j'ai souffert de ça quand j'étais petit, on m'écoutait pas assez. C'est l'histoire de sa vie, sa relation avec ma mère. Il a été aimé, mais je pense que sa mère a jamais su lui dire. Il a voulu exister aux yeux de son père, il a voulu briller. Quand je pense que j'ai fait tout ça pour qu'ils me voient, et ils sont pas là. Il voulait être le plus grand acteur français, c'était sa phrase. Sa vie privée a pris le dessus sur sa vie d'acteur. Il a toujours été extrêmement attiré par des femmes très fortes. Il était obligé de se cacher dans le coffre de la voiture. Il m'a dit, si tu continues avec ton petit sourire narquois, je vais t'en mettre une. Je suis un homme libre et je veux qu'on me foute la paix. Tout est toujours très excessif. Il est parfois violent, maladroit. Au moment où j'entends moteur, j'oublie toutes mes angoisses, mes tics, mes nervosités et les choses comme ça. Et donc si on pouvait me crier moteur un peu plus souvent, ça... Il rêve d'être celui qui, en sortant son arc et ses flèches, va empêcher les riches de prendre aux pauvres. Vincent veut ne rien rater, parce que Vincent a peur de mourir, et Vincent veut être en vie en permanence et se rappeler très très fort qu'il est vivant. Il se dit, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour avoir une grande vie? Comment être à la fois aussi puissant et aussi fragile? Le calme et la tempête font ici bon ménage, pour nous en tout cas, mais pour lui. Qu'en est-il vraiment? D'où vient tout cela? Cette passion brute, ce corps en mouvement qui s'interrompt pour saisir l'instant, que ce soit le matin ou le soir ou devant la caméra, Vincent Lindon capte, respire, aspire la vie, la malaxe, s'insurge, se révolte et puis tranche une sentence, une décision. Mais pour combien de temps? L'incertitude et l'intranquillité sont dans son ADN. Cependant, que serait-il sans tout cela, sans ce labyrinthe dans lequel son esprit voyage? S'il y a en tout cas une matrice à retenir, c'est celle du travail, une valeur reçue en héritage de son père. Il va l'exploiter dans un univers artistique, ce sera dans le cinéma, des rôles, des vies, mille personnages qui lui permettront d'être aimé, reconnu comme l'un des plus grands, en attendant peut-être encore mieux, car chez lui, il y a toujours l'après. Alors comment ce fils de bourgeois est-il devenu cet ouvrier, ce vigile, ce maître nageur? Comment a-t-il touché ce qui lui paraissait inaccessible? Commençons justement par ses heures d'impatience, le 24 mai 2015. Le jury du Festival de Cannes va rendre son verdict. Et la journée de Vincent Lindon débute par une très très longue attente, pas celle d'une simple journée, celle de plusieurs années. Journal Bernadette Chamonaz. Bonjour, Barcelone et même Madrid, la gauche radicale espagnole aux portes du pouvoir, elle peut remporter ces grandes villes à la faveur des municipales aujourd'hui. Cannes, pronostic difficile, festivalier partagé, nous dira Laurence Perron qui s'essaye tout de même à l'exercice. Il y croit à chaque fois, c'est ça aussi Vincent. C'est pour ça qu'il est si déçu, c'est comme les enfants, il y croit. Il a été nommé je ne sais combien de fois au César. Il n'a jamais eu de récompense. Direction Cannes maintenant, où le jury, présidé par les frères Cohen, s'est enfermé pour débattre. À quelques heures du palmarès du Festival de Cannes, Vincent Lindon est chez lui à Paris. Il attend un signe de l'équipe du film La Loi du Marché. C'est vraiment une année où je ne ferai absolument aucun pronostic. L'année dernière, j'avais eu tout bon, presque. Il doute, parce qu'il a tellement d'angoisse en lui qu'il ne peut pas être serein. Je pense qu'il y a un manque de confiance quand même chez Vincent, très fort. Vincent, il a un énorme besoin de reconnaissance. Il a besoin de lui dire, Vincent, t'es... voilà, ce que tu fais, c'est beau, t'es intelligent. Je lui avais posé la question quelques jours avant, si t'es rappelé, comment ça va se passer? Il m'a dit, de toute façon, c'est simple, si on m'appelle pas dimanche à midi, c'est que c'est mort. Il m'a dit, allô? Allô? Je lui dis, mon gars, faut que tu reviennes. Et là, mais c'était une espèce de joie immense. Il a pris son smock, il m'a dit, j'arrive. L'acteur quitte son appartement, file vers l'aéroport, embarquant avec lui le smoking de rigueur,
et ce petit carnet noir dont il ne se sépare jamais. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, parce que c'est vraiment un tout, tout petit carnet. Et il y a des espèces de coups au fluo, jaune, rouge. Enfin, c'est très organisé. Il écrit des mots, les gens à appeler. Il écrit ce qui est, comme ça doit être dans sa tête, quoi. C'est comme si c'était quelque chose pour ne pas oublier. Et puis, à chaque fois que la chose était faite, il barrait. Mais il ne barrait pas d'un petit trait à la va que je te pousse. Hein. Il barrait, on ne pouvait même plus lire ce qu'il y avait dessous, pratiquement, tellement c'était barré. Comme s'il avait l'espoir fou d'arrêter la fuite du temps, de fixer le temps. Je me rappelle d'une liste que j'avais vue, qui était une liste incroyable. C'était la première liste que je voyais, en fait. On devait avoir 16-17 ans. Ça commençait par réussir ma vie, les femmes, après acheter du beurre, du pain, et ça se terminait par la mort. Pour comprendre l'origine de tout cela, il faut revenir en arrière. À 20 ans, Vincent Lindon vit encore chez sa mère et chez son beau-père, dans cet appartement bourgeois du 7e arrondissement. Il y vit avec son frère Sylvain et leur demi-frère Antoine. À l'époque, il a l'ambition de réussir sa vie sans savoir comment y parvenir. Il bossait pas beaucoup hein, quand même. Il était très bon en maths. C'est quelqu'un qui est très très fort en calcul mental. Mais je pense que les études le faisaient chier. Quoi. C'est, pour parler trivialement, c'est un peu ça. Rien de plus terrible pour Vincent que l'ennui. C'est terrible pour Vincent de s'ennuyer. C'est même pas songeable. Après avoir décroché un bac scientifique, Vincent tire un trait définitif sur les études. Il avait intégré une bande à la Porte de Vanves, qui était une petite bande de loups. Il mettait un perfecto, il mettait des Santiago, il se mettait du rimmel dans l'ascenseur pour pas se faire gauler par ma mère. La phrase que j'entendais chez moi, notamment dans la bouche de ma mère, c'était « Ah, ce Vincent !»« Oh, Vincent !» Enfin, voilà, l'expression, si je veux dire « Oh, Vincent !» Vincent, évidemment, il bouscule, il y va. Elle l'adorait, mais c'était un trublion, donc quelquefois, ça faisait des étincelles. Il y a d'un côté le monde dans lequel il est, dans lequel il a grandi, dans lequel il a vécu, la bonne intelligentsia parisienne, et d'un autre côté, quelque chose en lui, une sensibilité qui lui est propre et qui fait qu'il a toujours eu sa propre liberté. Il avait le goût et l'envie d'une aventure, d'être un aventurier. Une envie qui ne peut rassurer sa mère, Alix. Alors Pierre, son beau-père, journaliste au Nouvel Observateur, va solliciter une de ses connaissances. Coluche était très ami avec son beau-père. On le voyait souvent chez Coluche. Et un jour, j'entends dire à Coluche « Est-ce que tu crois que j'ai le môme, là, à la maison ?» C'est pas trop vers où il va. Je crois que ça lui ferait du bien. Est-ce que tu pourrais l'embaucher ?» Très vite, Vincent se retrouve embarqué dans l'équipe de l'humoriste. Il part pour une tournée qui va durer 8 mois. Il est ravi, il est fier aussi, parce que Coluche, à l'époque, c'est vraiment quelqu'un d'important. Vous imaginez, quand vous avez 20 ans, d'aller travailler avec la plus grande star du moment, et en plus, un mec qu'on adore, qui est Coluche, quoi. Donc oui, je me rappelle de son excitation. Bon, les Belges, c'est des cons, mais déjà, je vois rien comprendre, hein. Il y a plus de cons que de Belges. Il était chargé d'aller dire à des gens soit de faire moins de bruit, soit de demander de ne pas prendre des photos flash. Parce que Coluche était quelqu'un qui, le moindre bruit, le déconcentrait. Son travail consistait à vider le camion, à installer les éclairages et la sono, à les câbler, à porter les caisses, à ouvrir les boîtes, à vider les caisses. On peut pas parler de bizutage, mais il eut quand même au début, comme c'était en plus, comme il était franchement plus jeune, c'est lui qui devait transporter les choses un peu lourdes, les trucs comme ça. Coluche et sa personnalité. Une troupe, des horaires à rallonge. En quelques semaines, le jeune Vincent se familiarise avec le monde du spectacle. Il écoutait très attentivement ce que disait Coluche, il observait ce qu'on faisait les uns les autres, et il regardait comment on s'y prenait, comment ça se passait, ce que c'était. On voyait qu'il sentait les choses. Il humait ce que pouvait être l'ambiance d'une scène, l'ambiance des coulisses ou d'un spectacle. Je sentais tout de suite une tendance caméléon chez le garçon. Il avait cette capacité-là à prendre la couleur qu'il faut et sans en même temps jamais perdre sa personnalité. La tournée avance
Et à l'issue d'une représentation à Albi, toute l'équipe est affairée en coulisses. Il est en train de ranger les fils. Et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Vous êtes attendu dehors. » Quand je vois la façon dont le type me dit ça, il me dit « C'est pas bon. » Dehors, 7-8 types, dont le plus petit était déjà deux fois comme moi. Face à cette bande, le secrétaire de Coluche pense se retrouver seul, en mauvaise posture. À ce moment-là, il y a une main qui me tape sur l'épaule. Ils étaient tous là. Vincent est là, prêt à assurer le coup avec nous. Il y avait ce côté très solidaire. C'est quelque chose qui m'avait marqué tout de suite. La bagarre générale sera finalement évitée. Ce soir-là, Vincent Lindon gagne l'estime de Coluche et de son entourage. On lui avait confié un gamin, bah, il s'en occupait, quoi. Mais à sa façon. Pas forcément en étant à côté de lui, mais il regardait comment il évoluait. Il voyait comment il baignait dans ce jus. Il considérait que c'était bien que ce gamin soit là. Ils vont dans les grands restaurants des villes dans lesquelles ils s'arrêtent. Donc il a à la fois vécu comme un prince pendant des semaines et même des mois. Ça lui a beaucoup plu. C'est bien, mon gars. À la tienne. Il avait une admiration. Ouais, j'ai connu, c'est un génie, il a tout compris, à tout. Lorsque la tournée de Coluche prend fin à l'été 1981, Vincent revient à la case départ, à Paris. Mais il a maintenant une envie enfin définie pour la suite. Il était venu déjeuner chez moi et il m'avait dit « Je veux être comédien. Je veux être le Dustin Hoffman français. » Dustin Hoffman pour référence, il faut rappeler qu'à l'époque, le comédien a décroché quelque temps plus tôt l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de père divorcé dans Kramer contre Kramer. En choisissant ce modèle, Vincent Lindon place la barre très haut. Reste à enclencher le processus. Il décide dans un premier temps de s'exiler aux États-Unis pour perfectionner son anglais. Il va passer 3 mois à New York avec son oncle, producteur de musique, et 3 mois dans une ferme du Texas. Le rêve américain tourne court. Et l'été suivant, il retrouve son lieu, son repère, sa maison de famille. En août 1981, Vincent Lindon est de retour à Étretat. C'est là qu'il passe toutes ses vacances d'été, et cela depuis l'enfance. Il y retrouve sa bande de copains. C'était la caverne des origines. Et donc, aller à Étretat, c'était son repère, c'était son port d'attache. On a tous nos amis, on a toute notre bande, il se passe des choses à Étretat l'été, il n'est pas concevable de faire autre chose que d'aller à Étretat. La famille Lindon y est propriétaire d'une maison depuis 1906. Cette grande villa qui surplombe la ville s'appelle Les Pelouses. Elle est majestueuse, cette maison. Je pense que c'est une des plus belles maisons d'Étretat. C'est presque un château, en fait. C'était une propriété qui pouvait accueillir tous mes frères et moi, et nos enfants, et donc Vincent et tous ses cousins et cousines. C'est dans cette maison que va s'affirmer la personnalité de Vincent. La caméra d'un oncle fixe sur la pellicule ces instants de complicité entre cousins en 1965. Cet enfant, au regard espiègle, à la recherche d'une victime à arroser, c'est bien lui. C'est un enfant très drôle, très gentil, plein de vie, tout le temps en déplacement, tout le temps en train de bouger ou de courir. Pour ce jeune garçon turbulent, tout est bon pour attirer l'attention. Il y avait un grand escalier en bois, avec une large rampe. Et en bas, en dessous de l'escalier, dans l'entrée, il y avait un buffet avec 2 potiches chinoises dont on nous rabâchait toute la journée qu'elles étaient très précieuses et très importantes, etc.
Et Vincent n'avait rien trouvé de mieux, qu'il avait un pistolet en plomb. Et plutôt que de jouer au pistolet, son jeu, c'était, parce qu'il y avait un danger évidemment, c'était de faire glisser ce pistolet du premier étage au rez-de-chaussée sur la rampe en bois. Donc il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis la cinquième, le pistolet évidemment a glissé, est tombé sur la potiche. Et ça a valu une grosse, grosse engueulade de mon grand-père à l'époque. C'était pas le mouton noir, mais c'était le petit-fils un peu à part, quoi. Et ses grands-parents se montrent d'ailleurs plus attentifs avec cet enfant. D'autant qu'il a développé des troubles du comportement l'année de son sixième anniversaire. Tout d'un coup, il doit faire des gestes assez improbables. On se dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Et en fait, c'est un tic. Et c'est des tics qui restent un mois, deux mois, un an, 10 ans. C'est des problèmes affectifs. Moi, d'après ce que j'ai compris, les tics sont arrivés au moment où ses parents se sont séparés. Vincent, il a vraiment pas arrêté d'être transporté d'un appartement à l'autre, de faire son petit baluchon. Je sais qu'il a beaucoup souffert de ça, vraiment. Il a ressenti probablement cette impression qu'il n'était plus dans aucune des deux familles, finalement. En manque d'affection, Vincent recherche celle des autres membres de sa famille. Il y a chez lui ce plaisir du jeu, cette capacité à se faire remarquer. Ce jour-là, il est un cow-boy fier, sorti d'un saloon imaginaire, qui descend dans la plaine pour attaquer les Indiens. Vincent était très content de jouer ce rôle avec ses pistolets. Il aimait bien être sous les projecteurs. C'est pas quelqu'un d'effacé, il a pas envie d'être effacé, Vincent. Mais c'est pas réfléchi chez lui, il est naturellement extraverti, sans pudeur. On le voit, lui, toujours, on le voit. Sur les films, sur les photos, on voit Vincent, tout de suite. Les années d'enfance et d'adolescence passent, mais le décor ne change pas. Revenons à l'été 1981, celui au cours duquel il fête ses 22 ans. Vincent Lindon cherche toujours comment devenir comédien lorsqu'une opportunité se présente. Une société de production recherche des figurants à Étretat. Alors c'est l'événement, évidemment. Les gens d'Étretat viennent pour postuler un rôle de figurant. Et en fait, chacun a eu un petit rôle. On était tous habillés en maillot de bain de l'époque. Pour dire comme c'était ridicule. Et Vincent, il avait un truc super moulant. Et il devait plonger dans la mer froide, pas trop froide d'Étretat. Voici Vincent Lindon, quelques minutes avant de tourner la scène, de dos, en maillot de bain noir. À l'image, il n'est qu'une silhouette sur le ponton. Un plan d'à peine 3 petites secondes, qui va alimenter son appétit. Ce qui l'impressionne à l'époque, c'est le côté star des acteurs qui arrivent juste au dernier moment. Tout ce qui est autour de ça, je crois, commence à lui donner très envie. L'envie d'être le sujet principal, quoi. Avec cette petite expérience, Vincent a pris conscience que le métier de comédien ne s'improvise pas. Dès son retour à Paris, il s'inscrit dans une prestigieuse école de théâtre, le cours Florent, un projet soutenu par ses parents. Je crois pas qu'il est très sûr de lui à l'époque. Il a envie de le faire, mais il n'est pas sûr de son talent. Il n'était pas particulièrement exubérant, quoi. Il écoutait les profs, il bossait les pièces qu'il avait à réviser, etc. Et après 2 années passées dans cette école, il n'a toujours pas décroché un rôle. Mais un jour, alors qu'il traîne dans les couloirs du cours Florent,
Un réalisateur l'aborde. Il cherche le bureau d'un professeur. Très gentiment, il m'explique le chemin et à la fin, il me dit « Vous devez être Elie Chouraki ». J'ai dit « Non, non, pas du tout, je m'appelle Paul Bougenard ». Et il a cette phrase, il me dit « Ah, bah tiens, encore un metteur en scène avec qui je travaillerai pas ». Je me barre et ça me fait rire. Après son rendez-vous, Paul Bougenard recroise par hasard le garçon qu'il a renseigné un peu plus tôt. Il pense aussitôt à quelque chose pour lui. Et je lui dis « Écoutez, j'aimerais bien que vous veniez me voir à la production ». C'est une personnalité déjà très très forte. Quelques jours plus tard, c'est finalement avec Yves Lemoigne, le directeur de casting du réalisateur, que Vincent Lindon a rendez-vous. Et un quiproquo va s'installer. Yves Lemoigne est un homme qui a des tics. Mais alors, il en a d'autres. Et je croyais qu'il se fichait de moi. Et lui croyait aussi la même chose en me regardant. Alors, ça faisait un dialogue de sourds, mais c'était des sourds qui étaient vraiment très antipathiques. Agacé, le directeur de casting veut mettre fin à l'entretien. Vincent comprend alors qu'ils sont atteints des mêmes troubles. Il ose lui en parler. Il fallait bien s'expliquer. Alors, on n'allait pas se taper sur la figure pour savoir qui était le plus fort à ce moment-là. Alors, effectivement, on s'est expliqué. Et puis après, à la finale, je l'ai fait attendre dans le bureau. Puis je lui ai dit, ben voilà, c'est toi. Tu seras l'inspecteur. Et là, il est parti du bureau. Il a couru. Il est tellement heureux. Il n'en revient pas d'être dans un film, d'avoir un rôle important quand même dans le film. Et voilà, dans la cour des grands. Passé l'euphorie de la bonne nouvelle fêtée pendant 3 jours, Vincent s'interroge forcément. Sera-t-il à la hauteur de ce rôle? Et surtout, va-t-il dompter ses troubles? Je vois Vincent en train de se préparer, etc. Et je vois effectivement qu'il a des tics. Je dis moteur, action. Regardez-le, quel frime, mais regardez-le, c'est pareil. Il n'entend rien, il comprend rien. Alors il y en a d'autres qui ont laissé sa place, et puis lui, il s'en branle. Ah, Mano, tu t'en branles. Ah, Mano, réponds, tu t'en branles. Et Mano, on s'en fout de tes problèmes. On en a rien à foutre que t'aies pas de gosse dans ton plumard et que ça fasse dérailler. On en a rien à foutre, nous. Savoir, tu l'as déjà loupé, non? Tu pensais quand même pas nous ramener ici vivant, hein? Ça va, ferme-la. Pendant la scène, Vincent Lindon est le premier surpris. Il ne montre aucune gêne, trop absorbé sans doute par le personnage qu'il interprète. Et là, ce truc qu'ont les gens qui bégayent d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que voilà, un moteur, Vincent, n'a plus de tic. Il est habité par le personnage totalement, jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire jusqu'au point de ne pas avoir de tic. Dégage. Elle est contente de son cadeau, la fille? Elle est contente? Enculé, toi. T'es un enculé. Tiens, tiens, tiens. Vincent, qui n'a pourtant que 5 minutes à l'écran, va vivre pleinement cette première grande expérience. Il nous appelle le soir, il nous dit quand ça va sortir, il nous rappelle pour nous dire quand ça va sortir. Il faut que tout le monde soit au courant. Le 14 septembre 1983, l'élève du cours Florent prend de l'avance sur ses camarades. Son nom et son visage s'affichent sur grand écran. Ma mère a gémi quand il est apparu sur l'écran. Moi, je me suis cramponné au siège en me disant pourvu qu'il bégaye pas, comme s'il était au théâtre. Il joue avec Francis Huster. C'est quand même un film de grand. Et du coup, il passe de l'adolescent ou de l'étudiant à un acteur, quoi, un vrai acteur. Un acteur qui n'a plus désormais qu'une obsession en tête. Décrocher très vite le prochain rôle.
Après cette expérience, Vincent Lindon arrête le cours Florent. Il enchaîne les castings, où il a pris l'habitude de croiser des concurrents plus expérimentés, plus connus aussi, parmi lesquels Patrick Bruel. On était une petite bande de mecs assez sûrs de qui arrivions à quatre à tous les castings, avec un petit côté « poussez-vous qu'on s'y mette ». Et puis Vincent, lui, il était là un jour dans un casting, il était tout seul en face de nous, et puis je voyais, il nous regardait, et il nous détestait. Il disait « mais c'est quoi ces quatre connards là, pour qu'ils se prennent ?» Il était hyper agressif comme ça, on s'est dit « pourquoi ?» Bref, tout ça, ça a été pendant quelques mois. Il y avait cette relation comme ça un peu étrange. Et puis un jour, j'arrive à la boîte et on me laisse rentrer parce que c'est légal à l'entrée. Et en haut des marches, je vois Lindon qui me regarde, mais genre, non mais c'est pas vrai quoi. Mais il était, mais avec une tête et d'un coup, ça m'énerve. Et je regarde par en haut et je me dis, bon, il croit, ça me fait chier. Je monte vers lui, je dis, bon, toi, tu peux pas me voir. Mais tu sais pas pourquoi. Alors on va s'asseoir à cette table, on va discuter, et si dans une demi-heure c'est pareil, alors je comprendrai. Mais là tu commences à m'énerver. Voilà. Et on s'est assis, et on a commencé une amitié dingue. Inséparable. Vincent rejoint cette bande de potes de cinéma, qui compte aussi Gérard Darmon, Michel Bougenat, Richard Anconina, et la réalisatrice Diane Curis. On avait plusieurs restaurants dans les Halles où on allait, on se retrouvait, toute cette bande-là. Et Vincent était un peu comme le petit frère. C'était un peu leur protégé, mais il le regardait avec un tout petit peu de... Pas, je dirais pas de condescendance, mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Il a cette volonté depuis le départ d'être le premier. Il a un rapport à la compétition, à la concurrence très clair, Vincent. Il faut battre les concurrents. Il faut être meilleur que les concurrents. C'est tout. Dans les années 80, quand il a démarré, il allait voir tous les films, il lisait, il apprenait le magazine Première par cœur, il connaissait tous les noms, tous les acteurs. Et pour tenter de forcer son destin, il appelle lui-même les réalisateurs, en prenant soin de toujours tout consigner dans son petit carnet. Il avait un agenda absolument rempli de rendez-vous, pas du tout imaginaire. Il s'obligeait à téléphoner, ce qui était très difficile, sans doute très pénible, humiliant. Il cochait les cases, il disait « j'ai appelé un tel, demain je le rappellerai ». Comme c'est un homme de conviction, bah, il a fait aussi des pieds et des mains pour avoir des rôles. C'est un tenace, Vincent. Il était un jeune acteur complètement atypique. Il n'était pas du tout dans la norme. Il avait ce physique... différent, voilà, un peu particulier. Et puis tous ces tics aussi, déjà. Donc il était vraiment... c'était pas gagné. Hein. Vincent Lindon ne correspond pas forcément aux standards du comédien type de l'époque. Il en est bien conscient, mais il va se battre pour imposer sa différence et décrocher des films. Et rien ne l'arrête, ni le découragement, ni la peur de l'échec. Il a dans la vie une manière d'occuper l'espace, une sincérité brute qui vont d'ailleurs toucher une jeune femme. Elle a déjà un homme dans sa vie, une figure tutélaire, l'une des personnalités politiques de la droite française. La jeune femme s'appelle Claude, son père, lui, Jacques Chirac. Vous savez, faites attention à cette affaire de... Ce jour-là, Vincent Lindon se retrouve dans l'appartement privé des Chirac à l'hôtel de ville de Paris. Il accompagne un ami à une fête organisée par la fille du maire de la capitale. Elle n'est que sa fille, mais enfin quand même, elle est la fille de Jacques Chirac, qui est à l'époque maire de Paris, ancien Premier ministre, qui est un homme important de la politique française, très important. Donc il est évidemment un peu impressionné par ça. Il était fasciné par un politique très connu, qui gérait la capitale. Dans l'intimité de ce lieu de pouvoir, Vincent se montre peu à l'aise. D'autant plus qu'un détail vestimentaire le gêne. Je lui dis, ben, c'est pas grave, on va aller chercher une ceinture dans le placard de mon père. Alors évidemment, c'était pas tout à fait le même gabarit, mais je me suis dit qu'on allait bien trouver quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé. Et donc, il a trouvé Vincent dans son placard,
Certes avec moi, mais il n'avait jamais vu Vincent de sa vie, donc c'était quand même un inconnu dans son placard. Avec le pantalon, pas sur les chevilles bien entendu, mais enfin relativement plus ou moins enfilé. Et le tout en essayant de triturer une ceinture qui lui appartenait. Donc ça a été la première rencontre entre Jacques Chirac et Vincent Lindon, c'est quand même celle-là. Rien n'a été vraiment dit, mais Jacques Chirac a très vite compris que sa fille n'était pas insensible au charme de ce jeune homme un peu plus âgé qu'elle. C'est quelqu'un, quand vous le rencontrez, il y a des gens qui sont transparents. Vincent, quand vous croisez sa route, c'est un personnage qui marque par mille choses. Hein. C'est pas une histoire d'amour simple, à cause de ses parents à elle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se voir comme ils veulent exactement. Ses parents à elle voient d'un assez mauvais œil qu'elle fréquente un saltimbanque. Ils ont très peur de ce jeune comédien, un peu tout fou, qui rentre dans la vie de leur fille. Cela ne les empêche pas de recevoir Vincent parmi les amis de leur fille, dans leur château en Corrèze, pendant les vacances d'été. Ils ont toujours beaucoup veillé à ce que nous soyons, et moi en particulier, voilà, avec beaucoup d'amis, qu'on ait vraiment des moments de joie, etc. Et donc, ils étaient très heureux, au contraire, qu'il y ait tous ces jeunes. Il était allé dormir avec Claude dans la chambre de Claude et évidemment les parents c'était pas prévu par les parents quoi, il avait sa chambre etc. Et évidemment le réveil a pas sonné, il s'endort dans la chambre de Claude et le matin qui arrive. Il débarque donc à 7h du matin je crois, Jacques Chirac qui le sort du lit assez violemment quand même. Qui se fait gauler quand même par le beau-père, qui plus est, et Jacques Chirac. Je vous laisse imaginer le réveil compliqué qu'il a dû vivre. Il est quand même quasiment nu, donc il a juste le temps de prendre une serviette. Et la serviette, il se cache devant avec la serviette, et il sort de cette chambre et il fait ce couloir qui dure très longtemps, avec Chirac dans le dos et cul nu. Il est raccompagné par le chauffeur à la gare, machin, renvoyé à Paris, etc. Ça a été terrible et que il en était pétrifié, quoi. Il a mis du temps à remonter la pente. Il insiste. Il insiste et ça ne lui suffit pas que les parents soient contre. Au contraire, peut-être ça aiguise même son appétit. Et donc, il va jamais se laisser abattre. La relation entre Claude Chirac et Vincent Lindon s'installe dans la durée. Le couple se voit de plus en plus régulièrement. Elle le déposait à minuit devant la maison. Il restait jusqu'à 3 heures du matin à parler, à tchatcher dans la voiture. Après la Corrèze, c'est au tour de Claude Chirac de découvrir le fief des Lindon, à Étretat. France Bizot se souvient de ce week-end entre copains, où le couple peut vivre plus simplement, sans la peur d'être observé, ni jugé. On s'est marré comme des dingues. Et on voit très bien dans cette vidéo à quel point Vincent et Claude se s'aimaient. C'est une fille charmante, intelligente, avec un caractère bien tranché. Elle le rembarre souvent. Elle a vachement son caractère. Et donc, et Vincent adore ça, quoi. Vincent adore Claude. C'est évident. C'est certainement sa première grande histoire d'amour, ouais. La sincérité des sentiments et sa personnalité feront tomber toutes les réticences. Vincent Lindon trouve progressivement une place à part entière dans la famille Chirac. Les parents de Claude ont compris que c'était pas un rigolo, que c'était un mec qui se donnait du mal. Il y avait une sorte de
société de respect ou d'amusement mutuel. Enfin, je veux dire, l'admiration pour Chirac, qui, je pense aussi, avait une forte personnalité, quelqu'un qui savait rire et faire la fête et bien manger. C'est vrai que pour Jacques Chirac, à l'époque, c'était formidable, parce qu'il est lui-même assez blagueur, il faut bien le dire, et donc il avait trouvé là un complice exceptionnel. Il faisait rire M. Chirac et Mme Chirac, je me souviens, il faisait des sketchs à table, il faisait des imitations. Vincent, c'est quelqu'un de très très drôle, hein. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. La particularité de Vincent, et c'est pour ça aussi que mon père l'appréciait, c'est que il est très franc, il est très cash. Il va vous dire sans détour, avec ses mots à lui, mais qui ont une grosse efficacité parce qu'il ne ressemble à aucun autre, il va vous dire sans détour ce qu'il pense. Donc il y a eu beaucoup d'échanges avec Jacques Chirac de ce point de vue-là, mais qui étaient des échanges vifs, denses et plutôt critiques. Chirac a vraiment, à un moment, considéré Vincent comme son sorte de fils adoptif, quoi. Vincent, il faisait un peu partie de la famille Chirac. Avec ténacité et franchise, Vincent a su conquérir sa belle famille. C'est avec la même volonté qu'il mène sa carrière. En 1987, un homme amoureux signé Diane Curis fait l'ouverture du Festival de Cannes. Cet abonné au second rôle espère sans doute attirer un peu plus la lumière sur lui. Une conférence de presse au Festival de Cannes, c'est quelque chose qui est suivi par 200 à 300 journalistes, il y a les caméras du monde entier. C'est un peu le baccalauréat des acteurs qui vont à Cannes. Vous êtes un débutant pratiquement, bon, votre carrière n'est pas très importante. Est-ce que vous pourriez d'abord nous la situer et nous dire quelle impression ça vous fait de vous retrouver dans un film donc international pratiquement? Oui, c'est vrai que je n'ai pas eu une très grande carrière, mais une très courte. En deux phrases, l'effet que ça me fait d'être là, d'abord je suis vraiment très fier. Mais il y a des gens qui disent « ça m'embête de mourir avant de pouvoir aller sur la Lune ». Moi, je suis venu une fois à Cannes, maintenant, je suis vraiment très content. Non, c'est vrai, ça fait plaisir. Et bon, en ce qui concerne ce que j'ai fait avant, je pourrais vous dire deux, trois films que j'ai fait, mais enfin bon, j'ai fait le film de Jean-Jacques Benet qui s'appelle 37-2, où j'avais un petit rôle. Et puis j'ai fait le film d'Alexandre Arcadi qui s'appelle « Dernier été à Tanger ». Et puis j'ai fait deux, trois petits rôles dans des films français, comme Notre Histoire, L'Addition, et des choses comme ça. Et puis ce film-là, c'est très court. Je ne sais pas si on va me reposer une question après. Il veut entamer un dialogue. Je vois Vincent qui était très, très, très nerveux, plein de tics, et donc je me dis, qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Oui, c'est une question pour Vincent Lindon. J'ai l'impression que seule une caméra peut vous apaiser. Est-ce que vous avez besoin de jouer pour être pleinement heureux? Grand silence dans la salle de conférence de presse. On me regarde en disant, comment t'es... Mon voisin qui me regarde en disant, t'as osé poser cette question? Vincent m'a regardé, il a fait un grand sourire, heureux, et il a répondu, vous faites allusion à ma nervosité. Non, c'est vrai que au moment où j'entends moteur, j'oublie toutes mes angoisses, mes tics, mes nervosités et les choses comme ça. Et donc, si on pouvait me crier moteur un peu plus souvent, ça serait mieux. Il dit ce qu'il ressent. C'est très spontané chez lui, c'est pas quelque chose, genre, il n'a pas préparé de dire « oui, tiens, je vais dire ça », c'est arrivé parce que c'est lui. Et après, d'ailleurs, la conférence, quand ça s'est terminé, je suis allée vers lui et je crois qu'il m'avait pris dans ses bras, qu'il m'avait embrassé, qu'il m'avait remercié, il m'avait dit « je ne te remercierai jamais assez, tu ne veux pas savoir à quel point ta question m'a fait du bien ». Parce que j'ai enfin pu dire qui j'étais vraiment et pourquoi j'étais comme ça. Il était conscient en disant ça, « faites-moi tourner », qu'il avait besoin de le dire parce que sinon, on ne l'entendrait pas. L'appel lancé par Vincent Lindon sera-t-il entendu? Un metteur en scène osera-t-il lui confier enfin un rôle principal? L'acteur est encore plein d'incertitudes. Quelques mois après le Festival de Cannes, Claude Pinoteau, le réalisateur de La Boum, pense à lui pour son prochain long métrage. Un second rôle, une nouvelle fois. Pour le rôle principal masculin, il était convenu qu'on partait sur un inconnu. Et puis, il y avait le rôle d'un copain
J'ai eu Vincent et avec Claude Pinoteau, on l'avait choisi pour le rôle du copain. Voilà. La scénariste du film, Danielle Thompson, lui fait aussitôt passer des essais. Danielle Thompson a fait une lecture avec Vincent Lindon, l'a trouvé extrêmement intéressant. Il était à la fois très sexy et très séduisant et puis pas forcément un très beau mec. Enthousiaste, la scénariste pense qu'il faut tenter quelque chose de plus audacieux. Elle a dit que le Pinoteau, il faut prendre Vincent pour le rôle principal, il sera formidable. Il n'était pas très convaincu. Et puis le producteur Alain Poiret n'était pas convaincu du tout. Et moi, j'étais totalement convaincu. Reste maintenant à savoir comment le principal intéressé va réagir à cette grande nouvelle. Je suis tombée sur Vincent qui m'a dit qu'il ne voulait pas faire le film. Et Daniel lui dit, mais t'es fou, quoi. Je me bats pour toi. Tu vas pas me mettre dans une situation comme ça. Non, je fais pas, je vais pas y arriver. C'était pas du tout un caprice. C'était comme il faut grimper l'Everest, quoi. Il s'est dit, je n'y arriverai peut-être pas. Donc, je préfère renoncer. On a fait quelques pas pour aller jusqu'à le bureau de la Gaumont, où nous attendait donc le producteur et le metteur en scène. Et là, avant de monter dans l'ascenseur, je l'ai pris par le col, je l'ai plaqué contre la paroi du rez-de-chaussée de la Gaumont. Je lui ai dit, tu montes dans ce bureau, tu les laisses parler et tu ne dis rien. Je me suis acharnée et finalement j'ai réussi à convaincre tous ces gens qui étaient tous d'accord pour qu'ils ne le fassent pas. Le tournage de l'étudiante peut débuter. Le comédien va devoir trouver sa place entre un réalisateur qui ne croit pas en lui et l'actrice principale, Sophie Marceau, qui l'intimide. Il y avait une relation entre Sophie et Claude Pinoteau. C'était un peu son papa, parce qu'il la protégeait. Bon. Et c'est vrai qu'il y avait une complicité entre les deux, et que quand on arrive comme ça dans cet univers, c'est pas facile. Claude est quelqu'un d'un peu carré, qui n'est pas super démonstratif non plus. Donc je pense que Vincent n'était pas aidé dans le sens où il avait peur, encore une fois, que Claude ne soit pas content. Il a besoin de quelque chose de très fusionnel. Il n'a pas seulement besoin d'amour, il n'a pas seulement besoin de direction, il a besoin d'une relation fusionnelle. D'autant plus que son personnage, un compositeur de musique, doit tomber amoureux de l'étudiante incarnée par Sophie Marceau. Au cinquième jour de tournage, le comédien est pris d'angoisse au moment de jouer une scène d'embrassade. Il veut tout arrêter et propose même de rembourser les frais déjà engagés. Il ne se rendait pas compte de ce coûté. Une journée de tournage, d'ailleurs. Je ne pense pas que son cacheur ait suffi. Donc, c'était joli. Ça, c'est lui. Ne perdez pas votre temps, prenez quelqu'un d'autre, parce que je vais vous décevoir. Voilà. L'assistant réalisateur trouvera les mots pour le convaincre de revenir sur le plateau et de tourner cette scène dite de l'ascenseur. Tout le préoccupait, savoir si ce qu'il venait de faire était bien, si Claude allait être content, si il avait été à la hauteur de ce que pouvait attendre Sophie, si moi, script, j'avais un jugement sur ce qu'il avait fait, si c'était bien, si j'avais préféré une prise plutôt qu'une autre. Il lui est arrivé de m'appeler le soir au téléphone pour savoir si je pensais qu'il allait plutôt garder telle prise ou telle autre. Il y avait un souci de ne pas décevoir, un souci d'être à la hauteur. C'était sa priorité. Action ! J'ai oublié mes copies ! C'est mes sixièmes et je dois leur rendre ce matin. Tu prends un café, il est quelle heure là ? Il est 7h et moi j'ai cours à 8h. Il avait une sorte de porte-bonheur qu'il cachait délicatement dans sa poche de costume et qu'il touchait et s'il pouvait voir, même embrassait, juste avant de tourner. Il était super sérieux dans le sens où il disait « si le feu passe au rouge avant que j'arrive, il ne va pas m'arriver tel truc ». Donc on jouait pas mal là-dessus, donc on lui faisait faire des trucs. On disait « si tu ne fais pas ça,
tu feras plus jamais un film de ta vie, c'est mort. Tu vas être la risée du métier. Je voulais éviter de... Parce que c'est toujours difficile le matin, alors. Valentine. Je voulais te dire que j'étais très ému hier soir. Et puis je voulais te dire que... Enfin, la première nuit, c'est... J'ai peut-être pas été formidable, quoi. Moi non plus. C'est seulement au moment de la sortie de l'étudiante, en octobre 1988, que Vincent Lindon réalise qu'il a eu raison de ne pas abandonner ce rôle. Quand on joue un rôle d'amoureux devant une Sophie Marceau, bah, les femmes se mettent à envier Sophie Marceau. Donc déjà, il se retrouve dans cette position-là, cette situation-là. C'est quand même extrêmement valorisant. On sortait dans la rue, si on allait boire un verre, machin, et il y avait des minettes qui venaient lui demander un autographe. C'est aussi simple que ça. Et celui à qui on posait peu de questions il y a encore quelques temps suscite maintenant la curiosité des médias. Voilà, Vincent Lindon, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer, de parler un peu avec vous. C'est la première fois que vous avez un rôle vedette, hein, je crois. Oui, c'est la première fois. Légère angoisse, quand même. J'ai un petit peu peur parce que maintenant il faut continuer. Enfin, je veux dire que quand on vous fait un cadeau et qu'on l'honore à peu près honnêtement, l'avenir fait un peu peur. Je veux dire que j'espère que je vais confirmer, que je vais pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance et qui ont cru un petit peu en moi dans ce film et arriver à m'installer dans des rôles différents qui me ressemblent en même temps et importants. Le cinéma, en fait, ça peut cicatriser certaines blessures dans la vie qu'on a et le succès aussi, finalement. Parce qu'on prouve aussi aux autres qu'on a réussi dans ce qu'on a choisi. Il avait vraiment besoin d'avoir du succès, Vincent, d'être reconnu, d'être dans la lumière. Ce désir de plaire le préoccupe depuis l'enfance. Et tout cela est notamment animé par la volonté d'attirer l'attention d'une personne, sa mère. C'est l'histoire de sa vie, sa relation avec ma mère. Donc, c'est le fondement de sa vie. Donc, c'est beaucoup d'amour, hein, Vincent et ma mère. C'est beaucoup d'amour, évidemment. Mais une relation particulière. En fait, Vincent a toujours attendu des marques d'affection de cette femme trop attachée à son indépendance et à sa liberté. J'avais beaucoup d'admiration pour sa maman, Alix Dufort, qui était une femme formidable, fort belle, très, très élégante, avec beaucoup de classe. C'était un personnage incroyable, un recul insensé, très drôle, très caustique, très rapide. C'était vraiment cette génération des femmes qui ont fait beaucoup pour l'évolution et la libération de la position de la femme dans la société. Elle était quand même issue d'un milieu relativement bourgeois et à l'époque, les jeunes filles bourgeoises restaient à la maison et attendaient le mari. Et elle s'est cassée de la maison à 18 ans pour aller travailler dans la mode. Donc c'était vraiment une sorte de Françoise Giroud, ce genre de femme très déterminée. Sa mère se maquillait à 11h du soir pour aller tous les soirs chez Castel. Elle sortait beaucoup, il y avait toujours des dîners chez eux. Des filles à la maison, des gens comme Belmondo, comme Dabadi, très, très proches des parents, mais aussi Bernard-Henri Lévy, Robert Badinter, le directeur de l'Humanité à l'époque. J'ai croisé pas mal de gens fort intéressants. À commencer par des gens, des grands photographes comme Willy Rizzo. J'ai croisé Nicholson chez eux. On se réveillait au milieu des cendriers avec des gens qui finissaient une partie de poker. Il y a cette odeur, cette atmosphère de... On a joué au poker jusqu'à 6h du matin, on a fumé plein de cigares, on a bu du whisky. Ça, c'est la vie. On est élevé dans un monde assez libéral. Pour Vincent et ses frères, ces mondanités n'ont pas beaucoup d'importance. Leur réalité,
c'est un manque. Il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de repas familial, il n'y a pas tout ça. On doit un peu se débrouiller tout seul, il faut apprendre tout seul. Vincent me parlait beaucoup plus de Carmen que de sa mère. Voilà. Et Carmen, c'était la femme qui s'occupait de Vincent et de Sylvain. Je ne crois pas qu'il ait été rassuré par sa mère. Je ne crois pas qu'il ait eu un certain type de regard qui donne très confiance dans la vie quand on est un petit garçon, je pense. Il n'a pas eu ça. Alix Dufort, sa mère, est peu présente sur les films de famille. Cette partie de pêche en Bretagne en 1968 reste pour le petit garçon de 9 ans un souvenir heureux, un moment rare et donc précieux. C'est très rare qu'on parte en vacances avec notre mère. Elle nous envoie dans des colonies au ski l'hiver. Il y a peu de partage dans notre famille. Il y a de l'amour, mais il n'y a pas de partage. Il a été aimé, mais je pense que sa mère n'a jamais su lui dire. Sa mère, elle était très dans le paraître, au fond, je crois. Et finalement, il aurait voulu avoir une mère dans l'être, même s'il était fier de sa mère qui était dans le paraître. Lorsque les tics sont apparus chez Vincent, sa mère a voulu lui faire voir un acupuncteur pour tenter de les faire disparaître. Il a tout simplement refusé. Ses troubles, apparus à l'âge de 6 ans lors du divorce de ses parents, font partie de lui. Ils l'ont construit. Le métier d'acteur a apaisé tout cela. Il lui a permis d'exorciser quelques-uns de ses tourments, de surmonter cette douleur d'enfance, de trouver son assurance. Et à ce stade de sa carrière, il mesure le chemin parcouru depuis ses débuts, près de 10 ans plus tôt, et ce qu'il reste à faire pour être enfin un comédien de premier plan. Mais il va encore et toujours falloir convaincre qu'il peut être le personnage que certains réalisateurs refusent pour le moment de voir en lui. En septembre 1990, la réalisatrice de Trois hommes et un couffin, un énorme succès au cinéma, prépare son prochain film. Colline Serrault pense à moi pour ce film, elle l'écrit pour moi. Elle me donne la moitié du scénario à lire. Et je ne me sens pas de jouer ce personnage. Je trouve assez passif. Je préfère aller le voir le jour de la sortie que de passer 8 semaines à le tourner. Et j'appelle Vincent. Et je lui dis, voilà, je vais refuser un film. Je pense que c'est toi qui dois le faire. Mais aujourd'hui, t'es 40e sur la liste de la réalisatrice. Si Patrick Bruel ne s'imagine pas incarner Victor, un trentenaire qui se retrouve le même jour licencié et abandonné par sa femme, Vincent Lindon, lui, perçoit très vite ce qu'il peut apporter à ce rôle. Il se dit, mais j'ai l'âge de ce personnage, cet univers, je le comprends, je l'entends, c'est pour moi. Il rêvait de faire ce film, il voulait faire ce film, il voulait rencontrer Colline Serrault. Celui qui avait été imposé par la scénariste de L'étudiante va cette fois prendre la main. Il réussit à décrocher un rendez-vous avec Colline Serrault, qui, au cours de l'entretien, a du mal à cacher son manque d'enthousiasme. Du coup, il se défend, il dit « Mais je voudrais vous montrer des bouts de ce que j'ai fait, etc. Et » Et elle lui répond cette terrible phrase « Non, mais je regarde pas la télé, j'ai pas le magnétoscope, non. » Et il a cette idée géniale d'aller le lendemain acheter un magnétoscope et une télé, de faire un montage de la cassette, d'une cassette avec des bouts de film. Reçu par le mari de Colline Serrault, il se rend compte qu'elle lui a menti. Le couple est bien équipé d'un téléviseur et d'un magnétoscope. Vincent Lindon laisse toutefois la cassette réalisée pour l'occasion. Il apprendra plus tard qu'elle ne l'a pas regardée. Mais OK, elle n'a pas regardé, mais elle a vu un personnage incroyable. C'est un instinctif, hein, Vincent. Il sent énormément les choses. Donc, s'il l'a fait, c'est parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose derrière. C'est un type qui a énormément d'intuition. Intrigué par l'audace de cet acteur,
Colin Serrault finit par le rappeler pour faire un bout d'essai. Une initiative que le producteur du film ne soutient pas. À l'époque, il avait fait un ou deux films qui n'étaient pas top. Il n'avait pas une cote énorme. Moi, c'était un film très important, Colin Serrault, qui sortait de Trois hommes à un couffin, tous ces films-là. Donc, il me fallait une très grosse vedette. On le voyait souvent au bureau, il venait pour qu'on s'habitue presque à le voir, que Colin ait l'habitude de le voir. Un jour, je descends de mon bureau et je trouve Vincent dans la rue. Et là, dans la rue, avenue Hoche, il se met à mes genoux, carrément à mes genoux. Et il me dit, tu dois me donner ma chance, tu dois me donner ma chance. Je lui dis, Vincent, arrête tes conneries, relève-toi. Et il était devant tout le monde à genoux. Je lui dis, arrête. Vincent n'a pas peur du ridicule. Il s'en fout de ce qu'on pense de lui. C'est simple. Il est tellement persuadé que qu'il est dans le vrai que non, il ne peut pas se croire ridicule. Comme notre père disait, c'est pas comment, c'est combien. C'est pas la manière, c'est le résultat qui compte. Deux mois plus tard, le comédien est toujours sans réponse de la réalisatrice. Il commence à se poser des questions et à douter de lui, mais également de ce métier. Il décide de jeter tout ce qui a rapport avec ce qu'il a tourné jusque-là. Tous les bouts d'essai, les claps, les machins, il vire tout. Il y avait une benne à gravat en bas de chez lui, il met tout là-dedans. Et cinq minutes après, Colin Serrault téléphone. Elle lui dit, ouais, Vincent, c'est Colin Serrault, voilà. Alors je voulais vous dire, il la coupe tout de suite. Il dit, oui, non, je sais. Pas besoin de me le dire, je sais, j'aurais adoré, mais je sais que... Il n'y est pas du tout. Pas du tout, c'est vous, je vous ai choisi. Au cours de ces trois mois de tournage, Vincent Lindon va nouer une complicité forte avec la réalisatrice, dont la rigueur a fait sa réputation. Colin, sur ce film, était, mais toujours, c'est une femme très déterminée, elle aussi, très directive. Il y a eu quelquefois des 20-25 prises parce qu'elle veut entendre exactement la petite musique qu'elle veut entendre. Mais ça, Vincent, ici, est toujours plié. Le travail qu'elle lui demandait tous les jours, les répétitions, parce qu'elle a répété pendant 8 semaines. C'était terrible. Elle apprenait son texte. C'était extraordinaire. Mais elle a été très importante pour lui parce que il a appris beaucoup de choses sur ce film. C'est sûrement quelqu'un qui n'a pas peur de souffrir au sens, qui est capable de se faire mal pour atteindre un objectif, ou en tout cas celui qui s'est fixé. Le 2 décembre 1992, la crise sort au cinéma. Pour la première fois, Vincent Lindon est la tête d'affiche d'un long métrage. Ah, Thérèse. Bonjour, Victor, vous avez une lettre sur votre bureau. Thérèse, vous ne savez pas ce qui m'arrive ? Si, je sais. Ah bon, comment vous savez ? On m'a prévenu. Elle vous a parlé ? Qui ? Ma femme. Ah non, pourquoi ? Qui vous a prévenu alors ? C'est Laurent, vous êtes 8 dans le même cas, c'est terrible. On est 8 dans le même cas ? Ils ont fait ça avec une grossièreté. Laurent, vous croyez que c'est Laurent qui est parti avec elle ? Avec qui ? Ma femme. Pourquoi avec votre femme ? Mais qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, Laurent ? Écoutez, Victor, je préfère que vous lisiez la lettre vous-même, elle est sur votre bureau. Ah bah merde, c'est le bouquet ! Qu'est-ce que c'est que ça, Thérèse ? C'est votre lettre de licenciement, Victor, c'est affreux. La crise de Colin Serrault avec l'excellent Vincent Lindon et Patrick Simpson. C'est une très bonne comédie et c'est une crise de rire assurée. Il était fier de son rôle dans le film et puis tout était élogieux, donc je pense que oui, ça lui faisait plaisir. À partir de ce moment-là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. En termes de notoriété, c'est clair qu'il bascule. Jusqu'à présent, il avait été un apprenti comédien et là, il était un comédien de plein exercice. Il y a toute une génération qui a les yeux tournés vers lui, vers vous. La crise, ça marche très bien, le film. Vous devez être content. Oui, je suis très content. Vous n'avez pas appris tellement à jouer la comédie ? Non, pas trop, non. Hein ? Non, non, c'est plus une passion et une envie de... Peut-être que c'est une envie qu'on m'écoute. Ouais. Peut-être que j'ai souffert de ça quand j'étais petit, on ne m'écoutait pas assez, j'en sais rien. Mon père, il est naturellement fier que son fils, non pas qu'il soit connu, mais qu'il s'illustre dans son domaine. Ma mère, c'est plus compliqué. C'est particulier, hein, dans une famille, la notoriété. On s'en rend pas compte, mais
la notoriété, ça peut foutre le bordel dans une famille, en fait. On avait une mère qui était une personne formidable, mais qui était très dans le paraître. C'était elle, son mari, c'était un peu le couple un peu en vue, on va dire. Tout d'un coup, il y a Vincent qui arrive. Peut-être qu'il lui pique un peu la vedette. Peut-être. Elle n'est pas fière de son fils, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'elle l'appréhende. Elle est fière de ce que ça représente, de l'image que ça lui donne à lui, à elle, etc. Mais elle n'a pas cette fierté tout à fait toute naturelle, mère-fils. Vincent Lindon avait besoin, comme beaucoup, du regard de ses parents et de sa mère en particulier, de son attention. Pour combler ce manque, il va chercher ailleurs. Sa carrière lui apporte la reconnaissance de son travail et une partie de cet amour qui lui manquait. Sur le plan personnel, Vincent aime les femmes, la rencontre amoureuse, ce moment suspendu qui vous rend tellement vivant. Depuis quelque temps, il est amoureux. Il a rencontré Caroline. Caroline n'est pas une anonyme, c'est une princesse. Alors qu'il n'a aucun film en compétition au Festival de Cannes, Vincent Lindon est pourtant l'objet de tous les regards. Ce jour-là, le concierge de l'hôtel doit chasser les photographes qui le poursuivent dans le hall. Il est mal à l'aise parce qu'il a les paparazzi aux fesses, mais il se fout de ce qu'il est lui. Lui, il ne veut qu'une chose, il veut qu'on parle de lui, mais pour ce qu'il est, comédien, acteur. À ce moment-là, peut-être sa vie privée a pris le dessus sur sa vie d'acteur. C'est fini, c'est fini, on arrête. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le mensonge aussi, là. Il n'a pas été exposé en tant que Vincent Lindon, là, il a été exposé en tant que nouvel homme dans la vie de Caroline de Monaco. À la nuit tombée, il quitte l'hôtel par une porte dérobée. Il part rejoindre la femme qui partage désormais sa vie. Au moment où la presse People explose en France, cette histoire entre une princesse et un acteur en vue suscite un vif intérêt des journaux. À cette époque-là, on faisait Caroline de Monaco parce que c'était le personnage le plus demandé dans ce métier. Il n'a pas eu de peau, Vincent, parce qu'il est arrivé au moment où il y avait le plus de pression sur la famille de Monaco. Le couple va faire l'objet d'une véritable traque. Elle débute à Saint-Rémy-de-Provence, dans cette commune des Bouches-du-Rhône, où Caroline de Monaco possède une maison de vacances. Vincent Lindon a quitté Paris pour s'y installer. Au début, j'étais seul, voire deux, et puis sont arrivés 5-6 photographes, et on cernait la ville à une dizaine de paparazzi. Ils avaient une maison un petit peu isolée, machin, les mecs, ils étaient à plat ventre dans le jardin, la nuit. Pour entrer dans la propriété à Saint-Rémy, il était obligé de se cacher dans le coffre de la voiture. Et quand on part en bagnole, il y a 10 motards qui suivent, quoi. Chaud quand même. Les paparazzi sont prêts à tout pour obtenir le cliché de l'acteur et de la princesse. Mais Vincent Lindon ne veut pas leur offrir une telle occasion. Il avait un œil de lynx. Il sentait, il repérait, mais à 450 mètres, quelqu'un qui était en train de prendre une photo. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que lui ne voulait pas se faire choper. Les paparazzi, eux aussi, ils avaient envie de lui montrer « on va te choper ». Donc c'était devenu une vraie guerre, quoi, entre eux. Malgré toutes les précautions, les couvertures se multiplient partout, avec parfois des photomontages. Et face à cette surenchère médiatique, l'acteur a de plus en plus de mal à garder son sang-froid. J'ai eu une altercation un jour avec lui, hein, face à face. Il s'est dirigé sur moi, il était très, très énervé. Il me parlait à ça du visage et il m'a dit « si tu continues avec ton petit sourire narquois, je vais t'en mettre une ». Il ne supportait pas l'idée de l'intrusion dans sa vie privée. Et d'ailleurs, il a poursuivi systématiquement les journaux. Il en a conçu
En tout cas, pour ceux d'entre eux qui sont people, il en a conçu une hostilité farouche. Il se trouve que notre grand-père, qui était avocat général, les deux spécialités, le divorce et le droit à l'image et protection de la vie privée. Donc, il a fait des procès à tous les coups. Il les a tous gagnés. Voici un instant que les paparazzi n'ont jamais pu voler. Vincent Lindon serre dans ses bras Caroline de Monaco. Le temps d'un week-end à l'île de Ré, avec la famille de l'acteur, le couple tente d'oublier les contraintes imposées par le statut princier. Vous êtes déjà allé à la plage avec un garde du corps, femme, avec un calibre dans le maillot de bain, ça fait bizarre. Voilà, c'est ça l'ambiance. Ça finissait par le peser, parce que Vincent, c'était un homme libre. Donc là, vous ne pouvez pas être libre. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements, il faut des gardes du corps. Moi, j'ai toujours vu Vincent, quand il est très amoureux, très démuni quelque part. Je crois qu'il a un rapport avec les femmes un peu compliqué pour ça, parce qu'il a toujours été extrêmement attiré par des femmes très fortes, avec des personnalités très affirmées, très puissantes. C'est une des rares périodes dans sa vie, et notamment dans sa vie sentimentale, où il n'a pas contrôlé. C'est pas lui qui contrôlait. Pas beaucoup. Parce que c'est pas tellement elle, d'ailleurs, qui prenait le dessus sur lui. C'est le protocole. C'est justement le protocole qui va officialiser la relation entre l'acteur et la princesse. Le 28 mai 1995, Vincent Lindon s'affiche auprès de Caroline et de son père à la tribune du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Avec cette présentation quasi officielle, l'acteur ne peut imaginer que 6 mois plus tard, la princesse mettra brutalement fin à leur histoire. C'était tellement investi, lui, dans cette affaire que... il a été déçu. Elle n'attachait pas la même importance, peut-être, ou le même degré d'amour que lui à cette histoire. Même si elle l'a, je crois qu'elle elle l'a aimé éperdument. C'était une histoire importante pour lui, il était très amoureux d'elle. Très amoureux d'elle. Il a été obligé de partir du jour au lendemain. Et c'est elle qui a fait livrer une caisse avec toutes ses affaires. C'était très violent. Hein. Je l'ai vraiment vu pas bien, ouais. Le jour où Vincent Lindon quitte le domicile de Caroline de Monaco, les paparazzi sont à nouveau là, tentant de capter le dernier chapitre de cette histoire qu'ils ont largement perturbée. Celui qui a 20 ans inscrivait sur son carnet « Réussir sa vie, les femmes, la mort » se retrouve dès lors en pleine introspection, en pleine remise en question. Et cela touche également sa carrière. Il s'est senti imposteur très longtemps, avec des rôles un peu du genre idéal, mais lui aspirait à autre chose. C'est quelqu'un qui ne se met pas dans des situations tranquilles. Parce que c'est à ce moment-là, je pense qu'il a le sentiment d'être vivant. Il a l'envie de progresser et par là même de donner un sens un peu profond à son existence. Le scénario du réalisateur Pierre Jolivet tombe donc à point nommé. En découvrant l'histoire de ce grutier au chômage qui voit sa vie basculer du jour au lendemain, Vincent Lindon tient là un nouveau type de rôle. C'était un film en plus pas facile à monter parce que très noir. Il n'a pas hésité à ne pas prendre de salaire, à se mettre en participation entièrement et à être coproducteur du film. Quand il a des convictions, il est acharné. Il a dit mais moi, je serai là avec Pierre Jolivet, même si la caméra, c'est une boîte à chaussures, je tourne. Avec ce personnage mis de côté par la société, abîmé, le comédien trouve là un moyen de rendre hommage à son père, qu'il a tant marqué par son engagement social.
le père de Vincent, lui, il s'est fait tout seul. Il avait les voitures, je crois, au début, dans un garage. Et puis, petit à petit, il a monté des échelons et puis il s'est lancé de son côté. Il a très bien réussi, d'ailleurs. Il est devenu quand même un entrepreneur, un chef d'entreprise. Et ce qui caractérise, c'est son sérieux, le goût du travail bien fait, de la perfection. Il était minutieux, il était rigoureux. Laurent Lindon dirige une entreprise spécialisée dans la fabrication d'autoradios. Une activité lucrative, mais clairement sous-estimée dans cette famille d'intellectuels. Il était un peu l'original de la génération d'au-dessus, par rapport à un frère prof de marketing et un autre frère patron des éditions de minuit. Donc oui, tu travailles dans l'automobile, t'es un manuel. Laurent avait un peu des complexes vis-à-vis de ses frères aînés et de son père aussi. Il était très secret et très introverti. Il a vécu avec ça. Son père lui a appris qu'on a beau être riche, il faut toujours être proche aussi des gens qui n'ont pas d'argent. Laurent et mon mari, depuis le début, bien que d'un statut social totalement différent, sont devenus les meilleurs amis du monde. Il y a eu, dès le départ, cette façon d'aborder les choses avec beaucoup d'humour. Ils aimaient beaucoup rire l'un et l'autre. Et ça lui permettait finalement d'exprimer des choses pour lesquelles il était peut-être plus en réserve avec d'autres personnes du même statut que lui. C'est donc ce message que va désormais choisir Vincent. Celui des valeurs humanistes, transmises par son père. Vincent veut montrer qu'il y a des mecs qui sont des héros du quotidien, en fait. Et notre père, c'était un peu ça. Je pense qu'il avait une revanche à prendre par rapport à ça. Et le défi est grand. Lui, le garçon de Saint-Germain-des-Prés et d'Étretat, doit être crédible dans le rôle de ce chômeur acculé. Jolivet lui demande de prendre un peu de bide, il prend du bide, quoi. Hein, il se transforme physiquement. Il a une gueule incroyable dans le film, il a une attitude incroyable. Kevin, tu montes dans ta chambre. Bravo. Et arrête de me casser les couilles. Il y a 6 mois, c'est toi qui n'avais pas de boulot, je te faisais pas chier comme ça. Sinon ça, on l'oublie quand on bosse. Eh ben moi, je picole pas. Quoi? 2 ou 3 bières, c'est picolé? Mais t'es d'une mauvaise foi, Lisa, c'est incroyable. Quoi, t'as tenté machin? N'importe quoi. C'est toi qui disparais toute la journée et c'est moi qui attends mes machins. Facile, non? Didier, c'est tout. Il s'implique d'une façon incroyable. Il est limite chiant, hein, parce que c'est un perfectionniste. Il est exigeant pour lui, il est exigeant avec les autres. Il peut être très excessif, hein, Vincent. Parfois, c'est lourd à porter. Hein. C'est un mec qui va chercher loin, il va être tout le temps là, chercher des accessoires. On le voit bien, il est agité sur un tournage. Il est enthousiaste. Tu crois que ça m'amuse de refaire le ménage à 10h le soir, je te remercie. Enfin, maintenant, c'est moi qui fais le ménage. Et à part ça, t'as fait quoi? Rien, comme d'habitude. Mais on dit pas rien, j'ai téléphoné, il y avait personne. Je tenais un coup de main, Michel. Il a conduit un gros camion. T'as conduit un camion? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est des conneries, alors pourquoi tu me demandes? Je l'ai vu à la fin d'une prise, être encore en ébullition et dire « j'ai pas tout donné, j'en veux encore une », c'est plus de l'exigence, là, c'est de la rage. À sa sortie, Fred, le film de Pierre Jolivet, n'aura qu'un succès d'estime. Mais la prestation de l'acteur ne passera pas inaperçue. Il a étonné beaucoup de monde dans Fred, parce qu'il avait une vraie composition d'acteur dramatique. Il y avait une vraie profondeur dans ce qu'il jouait. Il découvre une partie de lui-même, là. Il explore un truc nouveau, un truc très sensible. Plus sensible que ce qu'il fait jusque-là. L'humain, c'est sa matière. Et il a une analyse, d'ailleurs, assez, assez forte sur les gens. Il voit des choses parce que ça le passionne. La dimension humaine, le regard sur les déclassés, c'est le type de rôle qu'il souhaite désormais incarner. Et cela pour la plus grande fierté de son père, fragilisé par une maladie dégénérative à ce stade de sa vie. Vincent lui apportait
des cassettes de ses films. Et justement, dans ses rôles sociaux, Laurent, quand il les regardait, il avait une émotion là, mais qu'il ne pouvait plus réprimer. Et à ce moment-là, les larmes lui venaient et il regardait ça, encore une fois, certainement avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'émotion. Son père disait un jour, si dans les personnages que tu interprètes, un seul élément de ces personnages permettait à un spectateur de pouvoir améliorer sa vie, eh bien, c'est quelque chose de gagné. Et pour lui, c'est ça qui est plus important, je crois, que le rôle de comédien, c'est le rôle social qu'il peut avoir dans chaque film. Alors que Vincent, à près de 40 ans, a acquis une certaine maturité dans les choix de ses rôles au cinéma, dans sa vie privée aussi, il a trouvé son point d'équilibre. C'est à l'occasion d'un tournage que la comédienne Sandrine Kiberlin est entrée dans sa vie. Un an après le début de leur relation, il a prévu pour elle une surprise, le jour de son anniversaire. Il m'a emmené les yeux bandés dans la voiture, j'avais pas le droit de regarder du tout. Et on a tourné comme ça, en fait j'ai réalisé qu'on tournait, j'avais mal au cœur au bout d'un moment, parce qu'il m'a fait croire qu'on allait très loin, mais en fait on a fait sans arrêt le tour du pâté de maison. À quelques rues de là, les parents du couple ainsi que leurs amis sont réunis sans savoir non plus ce qui les attend. C'est une surprise, donc il nous donne rendez-vous à la mairie, je crois, sans rien nous dire. On est tous emmenés dans la grande salle, où là, je vois tout le monde, là, le père de Vincent, là, tout le monde, la famille, tout le monde. Je suis mais stupéfaite. La voiture est arrivée, je lui dis j'ai envie de vomir, il me dit non, mais tout va bien et tout. Vincent était très excité, me tenait la main, etc. On rentre dans l'ascenseur, j'entendais des talkie-walkie. Enfin, je me dis, ouais, c'est quand même assez dingo. Là, je sors de l'ascenseur, ma sœur m'enlève l'écharpe, me met un bouquet de fleurs rond dans la main, j'ouvre la porte, je vois tout le monde assis. Et là, elle avait le souffle coupé. Et ça a duré, il y a eu un instant comme ça où je l'ai vu, mais totalement suspendu à ce moment, quoi. Et là, Vincent fond en larmes, moi aussi, et donc c'était le mariage surprise, quoi. Une cérémonie que Vincent Lindon a préparée durant un mois, dans le plus grand secret. Il a tout organisé tout seul. La mairie, les invités, les machins, et puis il fallait pas que ça se sache. Il avait piqué les deux cartes d'identité de ceux qui allaient être mes témoins. Il avait signé à ma place des papiers. C'était incroyablement romanesque. Il a quand même obtenu de Jacques Chirac de ne pas publier les bons. Il faut le faire, hein. Il adore être le metteur en scène de sa vie. Il adore que la vie ne soit pas du sublime à jet continu, mais que ce soit plus drôle que la vie ordinaire. Ben voilà, moi, dans ma vie, j'ai vécu ça et je l'ai sans doute choisi aussi pour ça, Vincent. Ce jour-là, commence pour l'acteur une nouvelle existence, celle qu'il n'a jamais eue, celle d'un homme marié. J'étais la première femme avec qui il vivait au quotidien. Il n'a jamais posé ses valises avant, jamais partagé une note de téléphone. Je peux vous dire que tout ça, quand ça arrive, je sentais le gros stress. Il devait flipper sans doute de perdre sa liberté. Encore une ambivalence chez Vincent, c'est que dans cette vie extraordinaire qu'il veut avoir tout le temps, il a quand même envie aussi d'être le mec normal, qui a une famille normale, qui est posé, quoi, qui le soir rentre à la maison, dîne avec sa femme dans la cuisine. Auprès de son épouse, l'acteur va enfin trouver la stabilité qui va apaiser ses angoisses. Elle a une forme d'exigence que Vincent n'a pas à ce moment-là, je trouve, dans la vie, dans son travail. C'est une fille intelligente qui l'a écoutée d'abord, et qui a vu ses failles un peu. Et je pense qu'il l'a, oui, canalisé. Pendant un temps, il avait toujours peur qu'il y ait mieux dans l'assiette de l'autre. Je lui disais toujours, mais non, mais c'est vrai, je lui ai beaucoup dit parce que je voyais que ça le paniquait, l'angoissait beaucoup. Je lui disais beaucoup de se faire confiance, en fait. Elle avait un besoin d'une espèce d'assurance de Vincent, sur laquelle elle comptait beaucoup, beaucoup. Et il lui a donné ça.
Moi, on me trouvait un peu gauche, toujours un peu celle qui va faire tomber le plat en le passant à table. Il m'a mis les pieds sur terre, Vincent. Vincent, il m'a donné confiance. Je pense qu'on s'est donné confiance, l'un et l'autre, dans des domaines différents. Une confiance réciproque qui donne au couple l'envie de fonder une famille. Le 13 avril 2000, Suzanne voit le jour. Je me souviens du cri qu'il a poussé quand notre fille est arrivée au monde, quand elle a... Il a fait un cri qui lui ressemble, il fait « Oh !» Mais un truc comme s'il voyait toute sa famille en miniature arriver, qui se prolongeait dans notre fille, quoi. Puis il l'a prise tout de suite, ça a été immédiatement comme une évidence. Je me souviens, j'avais été le voir à l'hôpital américain, il était tout fier, parce qu'on a été à la nursery, machin. Oh, t'as vu, c'est ma fille, quand même, ensemble. Vincent vient enfin de toucher un bonheur qui lui semblait inaccessible. Mais en quelques heures, tout va basculer. Le lendemain de l'accouchement, Sandrine Kiberlin est victime d'un accident cérébral qui la plonge dans le coma. Il y a urgence vitale. Vincent doit prendre une décision rapidement. J'étais donc entre la vie et la mort. Il a pris le professeur qui disait qu'il hésitait entre m'opérer et pas m'opérer, que les deux, de toute façon, étaient quasiment aussi risqués. Et lui dire, mais vous feriez quoi pour votre fille? Et le professeur a dit, mais je l'opère dans les 5 secondes. Il a dit, OK, opérez-la. Le choix s'avère être le bon. Quelques temps plus tard, Sandrine Kiberlin est finalement hors de danger. J'ai vécu ça comme un trou noir. Quand je me suis réveillée, j'étais que heureuse d'être en vie avec ma fille, mon mari, et tout ça. Non, Vincent, c'était très dur. Parce que c'est un événement formidable, hein, d'être père de famille. Et là, sa femme, elle a failli mourir. Quand même. Et finalement, Vincent m'a sauvée. Vincent est devenu père et c'est 3 ans plus tard que le sien le quitte définitivement. Il lui a légué, entre autres, la rigueur, l'amour du travail bien fait. Les années passent et les films et les personnages aussi. Vincent va avoir 50 ans. C'est l'occasion pour lui d'amorcer un virage, de faire d'autres choix au cinéma. C'est avec un film signé Philippe Lioret que tout cela va prendre forme. Dans Welcome, il incarne Simon, un maître nageur qui prépare un jeune réfugié kurde à traverser la Manche à la nage. Un film engagé dont le comédien va devenir le meilleur ambassadeur. L'enjeu, une loi qui punit l'assistance bénévole aux personnes en situation irrégulière. La sortie du film Welcome suscite un débat en France. Un débat relayé par la position d'un membre du gouvernement qui remet en cause la réalité exposée par le réalisateur, le délit de solidarité. On a un attaché de presse génial en la personne du ministre de l'époque de Sarkozy, là, Éric Besson, ministre de l'Identité nationale et tout. Qui, je ne sais pas pourquoi, vient me chercher des poux dans la tête en me disant que le film est bien, mais que c'est de mensonge, ça ne se passe pas comme ça. Vincent Lindon, qui incarne ce maître nageur placé sous contrôle judiciaire pour avoir aidé un migrant, veut débattre avec le ministre à la télévision. Il y a une chose qui me choque, qui même m'insupporte. Aujourd'hui, on est passible de 5 ans de prison et de 30 000 euros d'amende quand on vient en aide à une personne en situation irrégulière. 5 ans pour quelqu'un qui ouvre sa porte, qui prend un migrant, d'où qu'il vienne, qui le ramène chez lui pour lui adoucir la vie, ne serait-ce que l'espace de 24 heures. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il a attaqué les billes en tête, ce qui a déstabilisé l'autre. Parce que l'autre, il a dû dire, Lindon, c'est un saltimbanque, qu'est-ce qui vient m'emmerder, je suis ministre. Aucun particulier n'a jamais été condamné pour avoir simplement hébergé un étranger en situation irrégulière. Aucun. Il y a eu, bien sûr, et après je vous dirai autre chose. Une seconde, parce que c'est très très important. Il y a des bénévoles qui ont été mis en examen. Je les ai là, j'ai leur nom, donc c'est intéressant. Il y a Jean-Claude Lenoir, qui a comparu au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 1er juillet 2004, qui est un particulier, enfin, il a une femme. Il ne se laisse pas faire, il réagit. On ne lui marche pas comme ça sur les pieds. C'est quelqu'un qui ne triche pas, Vincent, jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas que des amis, probablement. Hein.
C'est pas un personnage lisse, c'est pas un personnage que tout le monde aime parce qu'il est si drôle, etc. C'est un personnage rugueux aussi. Hein. Si Vincent Lindon est si vindicatif, c'est qu'avant même le premier jour du tournage du film, le réalisateur l'a sensibilisé à la cause des migrants. Je vais le chercher à la gare de Calais, et puis on prend un migrant en stop. Et on roule, et là je lui dis, tu vois, là, on risque 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ah, il était sidéré, quoi. Parce que c'était vrai, c'était ça, quoi. Si c'est pas juste, si c'est pas droit, c'est quelque chose qui va le mettre très mal à l'aise et il va rétablir la justice. Il est équitable, juste et équitable. Et ce qui se passe à Calais ne l'est pas. Aujourd'hui, vous me dites aucun particulier ne peut être condamné ou mis en examen. C'est faux, j'ai joué ce personnage. Il s'était préparé, je crois même me souvenir qu'il avait testé, rodé des répliques, des arguments. Il voulait aller affronter des hommes politiques sur des plateaux télé et tout ça. Parce qu'il avait un vrai avis sur la question et qu'il voulait aller le défendre et qu'il voulait convaincre. Monsieur Jean-Marc Ayrault pour un rappel au règlement. Cet engagement de l'acteur et du réalisateur va trouver un nouvel écho quelque temps plus tard. Oui, je le dis, je le répète. J'aurais aimé que le ministre passe un peu de temps à lire notre proposition de loi et notre rapporteur l'a excellemment défendu. C'était pour nous une souffrance de voir un ancien socialiste, un ancien collègue, qui était passé, qui avait franchi le Rubicon. Et veut incarner cette politique de fermeté et qui se traduit par de la dureté. Jean-Marc Ayrault dit j'aimerais qu'on fasse une projection à l'Assemblée, mais pas pour le groupe socialiste, pour l'ensemble des députés. Croyez-vous que nous sommes... L'idée étant de voir si on peut faire évoluer la loi qui interdit aux individus, pas aux associations, aux individus d'aider les migrants. On n'était pas peu fiers avec Vincent quand même, un film projeté à l'Assemblée nationale, c'est pas tous les jours. Nous avons ressenti une grande force, une grande générosité dans ce film. Quand on voit l'évolution personnelle du maître nageur, le rôle que joue Vincent Lindon, les questions qui se posent, les hésitations qu'il a, et puis à un moment, il franchit le pas. Mais ce n'est pas une histoire, où il y a une thèse politique qu'on veut absolument démontrer. C'est une histoire humaine. Je trouve que d'autre part, Monsieur Besson, c'est indigne, tout simplement. Et j'invite l'Assemblée nationale, mardi prochain, de prendre ses responsabilités. Au printemps 2009, un débat sur le délit de solidarité est lancé à l'Assemblée. La gauche, emmenée par Jean-Marc Ayrault, tente de faire modifier la loi. C'est ça que nous proposerons. Vincent est très content du débat qui se passe après et il a envie que les choses bougent. Et il s'est dit que finalement, c'est de cette façon-là qu'il va faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui a toujours été concerné par la vie collective, concerné par les autres, concerné par la souffrance, par ceux qui n'avaient pas forcément là où les chances qu'il a eues. Cette révision de la loi ne sera finalement pas adoptée à l'Assemblée. Même si le droit a été assoupli, des particuliers venant en aide aux migrants peuvent être aujourd'hui encore poursuivis. Un goût d'inachevé pour Vincent Lindon, qui s'était senti investi d'une mission. On a l'impression qu'il raconte sa propre histoire, qu'il vit cette histoire comme si c'était la sienne. Je pense qu'en sortant d'un tournage, il reste marqué. Les gens l'arrêtaient dans la rue en lui disant « C'est bien ce que vous avez fait ». Il a envie d'envoyer balader tout ce qui est puissance établie et il rêve d'être celui qui, en sortant son arc et ses flèches, va empêcher les riches de prendre aux pauvres. C'est Robin des Bois, c'est l'histoire de Robin des Bois. Je pense qu'il y a ça en lui, très, très profond. C'est quelqu'un qui aimerait faire changer, faire bouger les choses. Je pense qu'il aimerait être homme politique, ça lui plairait. Parce qu'il a le sentiment assez justifié chez lui de pouvoir régler les problèmes. Alors, est-ce qu'un jour il fera de la politique? C'est pas impossible. Welcome est un film engagé, salué par toute la critique. Alors, tout est réuni pour que le jour de la cérémonie des Césars, le film soit couronné. Le film a 10 nominations, le film, le scénario, les deux acteurs principaux, moi, la lumière, je sais pas quoi, enfin on a tout. Vincent Lindon est nommé pour la 4e fois dans la catégorie meilleur acteur. Mesdames et messieurs, Marion Cotillard. Bonsoir. Cher cinéma français, je déclare ouverte
la 35e cérémonie des Césars. Je suis assis à côté de Vincent. Et j'ai ma femme là, et Vincent là. Voilà. Et il me prend la main. Et il me tient la main. Pendant toute la séance. Face à lui, le comédien Tahar Rahim, 28 ans, qui concourt également pour le meilleur espoir. Quand Tahar Rahim a eu le meilleur espoir, comme c'était un concurrent très sérieux pour le meilleur acteur, on pensait à juste titre que c'était bon, quoi. Nous, on se dit, bon, bah ça y est, là, c'est fait. Je suis très émue et très heureuse de remettre le César du meilleur acteur ce soir. Et je crois qu'à ce stade de la cérémonie, on a juste envie de savoir qui est dans l'enveloppe. Alors, les nommés sont... Quand on commence à parler de la nomination de l'acteur principal, ils ne se rendent pas compte, mais ils me broient à la main. Ah là là. Le César du meilleur acteur est attribué à Tahar Rahim. C'est un moment historique, puisque jamais avant lui, un comédien avait remporté dans la même soirée le César du meilleur espoir et celui du meilleur acteur. Putain. Quelle déception. Et là, il comprend pas. Il se dit, mais alors, tout ça pour ça. Il l'a très bien caché, mais je pense que ça a été très dur, oui. Oui. Oui, oui. Ah oui, parce que... Il y croyait vraiment dur comme fer cette année-là, puis c'était mérité, c'était... Vincent se dit, mais j'ai été nommé tellement de fois. Je suis toujours revenu bredouille, je sais pas, c'est moi, je n'aurai jamais droit. Ça n'avait pas de sens. Meilleur espoir, c'était formidable pour ta Rahim. Meilleur acteur, Vincent Lindon, cette année-là, c'est indiscutable. Après, on a dit, c'est fini, on ne peut plus donner la révélation et le rôle principal. C'est interdit maintenant. Ah oui, c'est grotesque. C'est ridicule. Comme le comédien le laissait supposer au producteur du film, certains attribuent ce quatrième échec à sa forte personnalité. Vincent Lindon, il n'est pas dans la norme du cinéma français. Vincent Lindon, il a ses coups de gueule. Et Dieu sait, si on voit que c'est un grand acteur et que ça y est, avec Welcome, il montre vraiment l'étendue de son talent. Mais il y a des inimitiés qui font que, voilà, quand on n'aime pas quelqu'un, et bien quand il s'agit de voter, même malheureusement, si c'est pour un grand acteur et un grand rôle, on vote pas pour lui. Hein. Vous avez été nommé 4 fois depuis 1993 sans jamais le recevoir. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez mal ou ça vous est égal? Non, je le vis pas mal. Je pense que c'est une soirée qui se passe avec ces gens-là, ce soir-là, à cette heure-là, dont je fais partie quand j'y suis. Et non, il arrive un moment où quand on n'a pas quelque chose, c'est même, ça devient presque jubilatoire et assez agréable. J'ai pas de problème et mon père m'a toujours dit, il faut se présenter et puis l'important c'est de participer. Un jour je l'aurai et j'y serai. Un jour je l'aurai pas, je l'aurai pas. J'y aurais pas été, c'est pas grave. Je disais, ouais, je m'en fous, mais il était, en fait, il était blessé, ça le blessait. Il comprenait pas pourquoi on lui avait jamais... on l'avait jamais récompensé. S'il tient à ce point cette récompense, c'est pour lui, bien sûr. Mais aussi pour impressionner celle auprès de laquelle il a toujours voulu briller. Et le temps est compté, car sa mère est gravement malade. Il venait la voir, il faisait tout sauf lui parler. Il trouvait à parler à quelqu'un d'autre, à faire ci, à faire ça, à regarder un truc à la télé, n'importe quoi, mais pas être confronté à la maladie aussi. Je crois que ça lui fait très peur. Il est terriblement angoissé aussi par la mort. Et pas que sa mort, hein, la mort des autres. Il a cette angoisse de mort en lui, cette angoisse d'abandon qui est très forte. Le 2 mai 2012, 9 ans après la disparition de son père, le comédien perd celle avec qui il aurait tant aimé établir un plus grand dialogue. À l'église, il a tenu à aller évoquer la mémoire de sa mère et il a parlé pendant un quart d'heure. Il a écrit une lettre absolument magnifique qui explique tout ce qu'on peut penser d'une mère et du machin durant sa vie d'enfant et la compréhension d'un certain nombre de choses quand on a un certain âge et malheureusement quand on s'aperçoit qu'elle n'est plus là. Il voulait poser des mots juste sur les rapports avec sa mère. Il n'a pas été dans l'angélisme forcément, mais
C'était tellement plein d'amour. C'était un des plus beaux, plus belles oraisons funèbres que j'ai entendues. Oui, oui, il lui a fait une grande déclaration ce jour-là. Il lui avait jamais parlé comme ça. Le maître mot, c'était de dire « Maman, je t'aime », quoi. Je pense qu'il avait fait ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire de lui parler et de lui dire exactement ce qu'il pensait. Ça lui a permis de franchir un pas dans sa vie aussi, sûrement. On a la religion de ses parents. Je suis le fruit absolu de deux personnes, une éponge trempée des dictons de mon père et imprégnée des réflexions de ma mère. Voilà pour les mots de Vincent Lindon sur ses parents qui, chacun à leur manière, l'ont conduit sur ce chemin de vie. La famille, justement, qui a pris une place de plus en plus importante. Suzanne, sa fille, qu'il a eue avec Sandrine Kiberlin, est devenue l'une de ses priorités. Il entend l'accompagner. Mais elle ne sera désormais plus seule, car un deuxième enfant va entrer dans la vie de l'acteur, un fils jusqu'alors inconnu de tous. Ce jour d'août 2014, Vincent Lindon attend chez lui la visite de son fils, né 4 ans avant sa fille Suzanne. Après l'histoire de Caroline de Monaco, Vincent est parti en vacances à Antigua, où il a fait la connaissance de cette femme et dont il est tombé amoureux, et avec qui il y a une histoire tout à fait passionnelle, je crois, pendant un temps assez court, mais quand même très fort. Il a appris qu'il avait un enfant. Et lui, il n'est pas du tout prêt à ce moment-là, pour accueillir un enfant dans sa vie. Et donc, il a mis du temps à pouvoir vivre sainement ça. Ça prend du temps. Le comédien reconnaît officiellement cet enfant prénommé Marcel et il s'assure qu'il ne manque de rien. Mais il faudra plusieurs années avant que le père et son fils fassent vraiment connaissance. Je crois que ça a été un gros travail pour lui, psychologique important. Ça a été une... C'était compliqué à gérer. C'est quelqu'un qui peut faire des erreurs, mais comme tout le monde. Mais toutes ces erreurs, il les reconnaît et il est prêt à s'excuser. Il l'a rencontré, d'abord seul, puis ensuite, je crois, un peu plus tard avec Suzanne, sa fille. Il s'est responsabilisé et c'est son fils. À l'âge de 17 ans, Marcel fait le choix de venir s'installer chez son père à Paris. Le comédien va tenter de rattraper le temps perdu en faisant de l'épanouissement de ce fils, comme pour sa fille, une vraie priorité. Un bon père de famille, pour Vincent, c'est d'être très présent, d'être là. Quoi qu'il arrive, il est là. Inconsciemment, son attitude de père est guidée par ce qu'il n'a pas eu. Donc il est proche de ses enfants, donc il y a des repas de famille. Donc, y a des vacances ensemble. Il vit vraiment avec ses enfants. Ça l'a centré différemment. C'est-à-dire que Vincent, il y avait beaucoup lui et ses projets, lui et sa vie, lui et bon, sa femme, mais lui. Maintenant, c'est vraiment ses enfants. Il en parle souvent de laisser quelque chose en héritage moral. Je ne parle pas d'argent, en héritage moral à ses enfants, laisser un héritage droit. Il dit, voilà, bah, leur père, quand ils regarderont la filmo, bah, il a fait ci, il a fait ça. Bah voilà, ils n'ont pas... moi, je n'ai pas à en rougir, ils n'auront pas à en rougir. Une ligne de conduite qui va amener l'acteur à vivre un moment unique, au-delà même de ses espérances. Quelque temps après l'arrivée de son fils, Vincent Lindon part tourner son nouveau film. La loi du marché, signé Stéphane Brisé. Dans 9 mois, je suis à la SS. Ouais. Je vais toucher 500 euros par mois. Alors, je vais faire comment avec mes 500 euros? Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? Comment je fais pour vivre avec 500 euros? C'est dans 9 mois, c'est là. Écoutez, moi, ce que je peux faire là, avec vous, c'est reprendre votre CV, voir quelles sont les entreprises qu'on peut contacter, et voilà, on repart là-dessus. Oui. Hein, mais vous proposez de partir au départ, quoi. Bah, quelque part, oui. Enfin, je vais pas vous mentir. Là, tout ce que j'ai fait avant, ça sert à rien.
l'acteur interprète Thierry, un surveillant de supermarché confronté à des difficultés sociales. Vincent Lindon, jamais très serein sur un plateau, l'est encore moins cette fois, car il joue presque sans texte et face à des non-professionnels. C'était un moyen de progresser dans notre travail, parce que ça avait à voir avec du lâcher-prise. Et la veille d'un tournage, Vincent ne dort pas, mais là, il n'a pas dormi pendant plusieurs jours avant. Et il était terrifié à l'idée de se retrouver dans cette situation. Mais tout de suite, sur le plateau, il a vu que le système fonctionnait et qu'en plus, ça lui permettait de jouer d'une manière très libre, quoi, très, très libre. Probablement qu'il a senti qu'il y avait une telle vérité dans son rôle que, oui, qu'il pouvait se passer quelque chose. Et il va se passer quelque chose que l'acteur et l'équipe du film pressentaient. La loi du marché est sélectionnée au Festival de Cannes. La projection se passe très très bien et il y a un accueil formidable, extrêmement chaleureux. On sentait tout de suite, après la projection, que Vincent avait, entre guillemets, impacté. C'est-à-dire que son travail d'acteur avait été remarqué. Je disais, il faut faire attention parce que effectivement, tu risques d'entendre pendant toute une semaine que tu vas avoir le prix, mais tu peux être aussi sérieusement déçu, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Le 24 mai 2015, le palmarès du festival doit être dévoilé en fin de journée. Vincent Lindon s'est levé tôt ce jour-là et il s'impatiente. C'est quand même quelqu'un d'un peu anxieux, donc il m'a appelé quelques fois le matin pour savoir si j'avais des nouvelles ou pas. Et donc j'ai dit, mais écoute Vincent, si je t'appelle pas, c'est que j'en ai pas, etc. Il tient plus debout, il est comme ça, dans l'angoisse totale. L'estomac se noue, on sue à grosses gouttes, on tourne en rond, on sait plus quoi faire. Et on est sous pression parce qu'on a envie d'y être. J'ai reçu un texto vers midi ou midi 5 en me disant « Le film a quelque chose, le film a quelque chose, et ce serait bien que Vincent soit là. » Là, il est sur la planète Mars. C'est-à-dire que là, il sait que le film a quelque chose. Là, franchement, il se doute que ça peut être lui, parce que sinon, on ne l'aurait pas fait revenir. Donc là, il m'appelle, il me dit, je sais pas, on retourne, c'est l'équipe, donc l'équipe, c'est Stéphane et moi, donc je sais pas si c'est le film, si c'est moi. Je lui dis, écoute, Vincent, ça va être toi, prépare-toi. En fin d'après-midi, toute l'équipe du film arrive au Palais des Festivals. Nous sommes à quelques minutes du lancement de la cérémonie de clôture. Il y a des infos juste avant d'entrer dans la salle, on entend des rumeurs, ces machins qu'à la palme, ces trucs bidules. Ça doit bouillonner dans sa tête à ce moment-là. Avec tout ce qui s'est passé sur ce film qu'il aimait tellement, dans lequel il s'est tellement impliqué, il s'est dit « qu'est-ce que ça serait beau ?» Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir. Bienvenue. Quel bonheur de vous retrouver. Quel bonheur. Vous êtes tous vraiment magnifiques. Monsieur le Président, qui a obtenu le prix d'interprétation masculine? Là, on s'arrête de respirer. Je le sais bien, hein. On ne se regarde pas, on ne peut pas se regarder, mais il n'y a plus de respiration. On est en apnée totale. Là, je vois en fait les photographes qui sont au bord de la scène se diriger en fait vers Vincent. Donc quelques secondes avant, je dis ouais, ça va être prépare-toi. Le prix est décerné à Vincent Lindon pour ce rôle dans La loi du marché de Stéphane Plaza. C'était un moment qu'il attendait tellement, qu'il a espéré tellement, et quand ça arrive, et qu'il y a eu cette espèce d'ovation quand on a dit son nom, etc. Vous vous rendez compte ce que ça représente pour lui? C'est comme un choc absolu. Ouh.
J'ai gagné un petit peu de temps. William Faulkner disait « Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. » C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie. Je voudrais aussi dire à quel point je remercie mon admiration pour les gens que j'aime et se reconnaîtront. Ils sont peu que j'aime à ce point-là dans ma vie. Et je voudrais aussi embrasser les deux personnes que j'aime le plus sur la Terre, qui sont mon fils, Marcel, et ma fille, Suzanne. Et aussi une pensée pour ma maman qui n'est plus là, et mon père qui n'est plus là. Et quand je pense que j'ai fait tout ça pour qu'ils me voient, et ils ne sont pas là. Voilà. C'est vraiment un beau moment, ce qu'il dit. Ce qu'il dit, et ce qu'il dit raconte toute sa vie. Tout ce petit parcours comme ça, qui est condensé dans son discours sur les autres, lui, le regard de ses parents, qu'il aurait aimé sans doute différent, et puis tout pour ses enfants aujourd'hui. C'était l'émotion juste, c'était les mots justes. Tout était, tout s'imbriquait bien parce que je pense que c'était le bon moment pour lui de recevoir ce prix. Il y a eu une espèce de moment de 20 à 25 minutes où il y avait sur son visage une espèce d'orgasme permanent, de béatitude absolue. Il avait un visage reposé. Les gens, tout le monde était heureux. C'est une espèce de plénitude qui était vraiment très, très chouette à voir. Il est en paix, oui, parce qu'il ne peut pas, tel qu'il est, ne pas reconnaître qu'il a exactement la vie qu'il veut, qu'il voulait, qu'il voudrait avoir. Mais le moment présent est toujours entaché de futur avec lui, quoi. Et il est toujours dans l'action, donc c'est toujours ce qui va se passer dans une demi-heure qui l'intéresse. Et des fois, il vit des trucs formidables, mais qu'est-ce qui va se passer dans une demi-heure ? Souvent, il me dit qu'il faut qu'il soit à la hauteur de ce prix-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès le lendemain matin, c'est « on va aller à New York ». Est-ce qu'on va aller à New York ? Et les Oscars, est-ce que tu crois qu'on va être nominé aux Oscars ? Et alors, il faut voir ça, la machine était repartie. Vincent veut ne rien rater, parce que Vincent a peur de mourir. Et Vincent veut être en vie, en permanence, et se rappeler très très fort qu'il est vivant. Comme s'il il avait choisi lui-même de ne pas être en paix. C'est pas amusant d'être en paix, c'est pas ça la vie. La vie, c'est des combats, c'est des malheurs, des bonheurs, c'est des excès, c'est... mais pas la paix. Ce que j'aime, c'est la vie avant le cinéma et les souvenirs après. Je ne suis pas un homme du présent, les choses qu'on fait dans nos vies, y compris les enfants, ces grands actes, on ne les aurait pas accomplis si on y avait réfléchi une minute. Ainsi va la vie de Vincent Lindon, ou plutôt les vies de Vincent Lindon. Difficile de décrypter, de sculpter le personnage, de le figer dans un portrait tant il est en mouvement perpétuel. Être acteur encore longtemps, que choisir demain, que faire dans une heure, dire, exprimer sa révolte, comment ? En jouant, envisager la politique, peut-être un jour, mais si sa définition est de réfléchir, de s'interroger sur le monde, alors Vincent Lindon en fait déjà. En tout cas, le film continue et d'autres chapitres du roman de sa vie restent à écrire. On suivra tout cela. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous et à très bientôt.